Anh quý chó. Ông chúng tôi gặp cảm to các trong đoàn đại thi tham gia. Anh muốn đào bị gia chúng từ xã bên nhà rồng ăn trái chít tăng thâm luôn để đào cho bộ sợ sấy. Ông hiểm đấy trên đồng nát rai từ sầm nào sông nó bỏ. Thả mình bị cáp bị đầy nôn chí để bàn được là cáp bị bực mình. Xã mình bị cáp bị đầy nôn chí bàn được là thá cá tăng sầm nua đại tiện tương từ nâng mình ti sầm sập mình ti so một phẩy buồn ở bảy số. คือมันเพียบมันมีเพียบแปะฟอนตีได้ซาตายวิกิอกตะกรรมดันจะไหลมุ้ยในขนมในการดำนอสไรกระตาคันบุญร้อยบุญโหดดับบุญร้อยดับใบได้มันตรายบานดับเป็นโจ้ในขนมในการสำไรบำใบแก่จำนาการในเตปิธีในตะนมเรื่องโซโซปีสละโซนปีเลยมีตะพิการไปได้นุนเทียมันเลือกเราเหมือนไทม์เตียธาตะขมือก็มันบานเป็นโจ้ในขนมในการดำนอสไรแต่ตี ហើយការតាំងសំណួរតាក់ទងទៅនឹងទីកន្លែងទាំងនោះគឺมันមានភាពពាក់ព័ន្ធដូចគ្នាអង្គជំរះសូមបញ្ជាក់ថាការដ្ឋានព្រៃសមតិសន្តិសុខស.23មិនមែនជាផ្នែកនៃការចោតប្រកាន់នៅក្នុងតំបន់រឿងស.02/02ទេទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីអង្គជំរះពិចារណាឃើញថាការតាំងសំណួរតាក់ទងទៅនឹងមន្ទីរស.23បួន មានភាពពាក់ព័ន្ធគ្នាជាមួយនឹងការបង្កើតនិងប្រតិបត្តិការរបស់មន្ត្រីសន្តិសុខស.21ដូចនេះវាមានភាពពាក់ព័ន្ធអង្គជំរះក៏សម្គាល់បន្ថែមថាទោះបីជាអតីតមន្ត្រីពេទ្យគួតតែខ្មៅត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយសង្ខេបនៅក្នុងដីការដំណោះស្រាយក៏ដោយក៏ថាខណ្ឌ419ក៏ទីកន្លែងនេះអាចមានភាពពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកំណត់គោលដៅចម្ពោះ អតីតតិហ៊ានលន់នល់និងប្រវត្តិនៃការបង្កើតមន្ទីរសន្តិសុខស.21ដែរអាស្រ័យហេតុនេះអង្គជំរះអនុញ្ញាតឲ្យតាំងសំណួរតាក់ទងទៅនឹងទីកន្លែងទាំងពីរនេះដរាបណាសំណួរទាំងនោះតាក់ទងនឹងមន្ទីរសន្តិសុខស.21ឬពាក់ព័ន្ធនឹងការកំណត់គោលដៅជាក់លាក់ចំពោះអតីតតិហ៊ានលន់នល់បន្តទៅនេះអង្គបានផ្ដល់ឬការជូនទៅសហប្រជាជាតិរងអន្តរជាតិដើម្បីមានឱកាសបន្តការតាំងសំណួរនៅដល់ចំពោះសាក់សី Merci, Monsieur le Président. Monsieur le témoin, vous nous avez dit que vous teniez les registres S21 à la fois des listes de prisonniers entrants, des biographies et des listes de prisonniers sortants. Est-ce que c'est un travail que vous accomplissiez seul et est-ce que vous arriviez à remplir vos fonctions étant donné la charge de travail. ខំប្រឹងយ៉ាងណាធ្វើឲ្យហើយអត់ទាន់ការងារទេប៉ុន្តែបើនិយាយពីរឿងធ្វើឲ្យបានលំអិតឲ្យច្បាស់លាស់នោះគឺអត់បានលំអិតដល់ក្រោយមកបានគេឲ្យក្មេងម្នាក់មកជួយខ្ញុំមកគាត់ដែរអ្នកទូរយុទ្ធតាមបន្ទប់នឹងសរសេរខ្លះអីខ្លះ Qui était ce jeune garçon? D'où venait-il et quel âge avait-il? Concernant spécifiquement les prisonniers vietnamiens, est-ce que vous avez jamais reçu de l'aide quelconque pour l'interprétation?
rok nè na oi chui te nè pe da mien nè tu Việt Nam mà hoi trai mien ka bo prai no chim pu nè tu Việt Nam ki da ki oi mien nè tu mien nè da che phi sa Việt Nam oi chui ko na su chmu nung su robo ru si nung ka lai chap mo da pa nang Est-ce que ce même prisonnier qui connaissait le vietnamien aidait également les interrogateurs lorsqu'ils interrogeaient des vietnamiens? ពីសាមីណានថាម៉េចហើយមកពីណាហើយនឹងដែលរបររុស៊ីតែប៉ុណ្ណឹងតែប៉ុណ្ណឹងអត់មានជួយអីក្រៅពីហ្នឹងOui, je ne disais pas qu'il interrogeait d'autres prisonniers, mais simplement qu'il pouvait servir d'interprète à certains interrogateurs de S21 lorsque ceux-ci interrogeaient des vietnamiens. Est-ce que vous savez ou non si cette personne a joué un rôle à ce niveau-là? Oh, bon, j'ai pu dire que le Vietnam est joué sous le ការងារនោះខ្ញុំអត់បានដឹងទេពីព្រោះគេយកស៊ូចម្លើយនៅកន្លែងស៊ូចម្លើយហើយអានេះគាត់ខ្ញុំដឹងថាការងារតែគាត់មកដល់ភ្លាមតែប៉ុណ្ណឹងឯងEst-ce que vous vous souvenez du nom de ce prisonnier qui vous a servi d'interprète?Lorsque vous posiez quelques questions de base aux prisonniers vietnamiens. Khmien duk chang phlech hai chmuh nang. Khmien cham ban chbai. Lau ni chang phlech yu pi dai.Est-ce que le nom de Pan, P-H-A-N, Pan, T-H-A-N, Pan Thon, Chan, C-H-A-N, Chan, alias Chan, vous dit quelque chose? Pan Thon, hay Chan, lo, flop, lu, chmou, nang, de? Oh, Pan Thon, ap, sa, dang, y, ban, dai, ba, Chan, nang, Chan, dang, y, sa, chú, Chan, yang, hayQuand vous dites que vous connaissez un certain Chan, est-ce que c'est lui qui vous a aidé à interpréter vers le vietnamien, plutôt du vietnamien vers le Khmer? Bah, Chan nâng ai, Chan nâng còn là bẹp, người riêng bẹp cái nhóm thà, chung mũ ấy, Việt Nam thì thàm ấy, mò bì ná, Việt Nam thàm ấy, hayនៅបរុស៊ីវៀតណាមថាម៉េចតែប៉ុណ្្នឹងចាន់នឹងគាត់ព្រមខ្ញុំតែប៉ុណ្្នឹងJe voudrais revenir un instant sur les qualités d'un bon travailleur au service de la révolution à S21. Est-ce que vous pourriez me dire si le parti...Si Dutch ou Hor voulaient que les employés de S21 soient purs dans l'accomplissement de leur tâche à S21. Avez-vous entendu parler de ce concept de pureté
Lúc đại lưu bịa thà sát xóm thế. Chúng phụ ca mà quên phía là cách. Khi mình đã kịp dương khổng ca nghiên rằng là bà dương thuốc khóc. Khi cứ đã bị rừng, rồi rừng chạp dương. Rừng ở dương thuốc là ổn mấy nghĩ cứ ổn. Je voudrais lire un extrait de l'interview du dénommé Pan Thanh Chan, alias Chan. Chan. C'est une transcription d'une interview filmée et c'est le numéro E3-2352. Tout d'abord, à la 4e minute et 28 secondes, il dit ceci à propos des Khmer Rouge. Je cite, « Il voulait créer des nouveaux êtres qui étaient parfaits et purs. » Ensuite, à 5 minutes 27, je cite, « Ce qui n'était pas pur, ce qui n'était pas le produit de leur création, ne faisait pas partie des leurs. Ils devaient l'éliminer. Le problème essentiel était là. » Ensuite, on lui pose la question, qu'est-ce qu'ils appelaient pur ? À quoi cela ressemblait ? Quelles étaient les caractéristiques de cette pureté ? Pan Chan répond, le pur était respectueux, le pur écoutait et obéissait. Il travaillait et exécutait les ordres. Il n'avait besoin de rien savoir. Il devait se contenter d'écouter. Pas besoin de démocratie. Le pur devait respecter dans la cécité. Tel était le pur. Il faisait ce qu'on lui disait de faire. Il tranchait quand on lui demandait de trancher. Il brûlait quand on lui demandait de brûler. S'il contestait un temps soit peu, il n'était plus des leurs. Il n'était plus pur. Il devait alors l'exécuter. Voilà la différence entre le pur et l'impur. Fin de citation. Quelle est votre réaction par rapport à ce qu'a dit Pan Chan, alias Chan, concernant les travailleurs qui devaient être purs dans l'accomplissement de leur tâche au service de la révolution? Êtes-vous d'accord avec la distinction qu'il fait entre pur et impur? ກະຖືຄົກໄປຫາຖ້າຢືຖືຄົກກະຈັບຍິງດັກກົກການງານໄວ້ກະໄດ້ເອົາຈະຄົກໄປຈອບກົກໃຫ້ຈອບກົກນັ້ນສະຫຼັບໃຫ້ຊິແມ່ນແນ່ຄໍາປັງຖືຫມາຍກໍອ້າຍມີກໍຫໍນໍາໃບນໍາໃບຮູ້ມີຊິຍືງຄຽນປັນຫາອີ່ຫຼືຕິດຕໍ່ວ່າຫຼືຖືຄົກມັນກາງານບໍ່ຍິງປັງຖືຫມາຍອັດຕອນເອົາກາດໍາໃບກໍອ້າຍທີ່ຈັບມາຢືງ. Est-ce que vous avez entendu vos collègues ou vos supérieurs? Est-ce que vous avez entendu vos supérieurs, Duch, Meng ou d'autres collègues, d'autres cadres plutôt, à S21, qualifier les prisonniers de S21 d'ennemis de la révolution? ចំពោះបញ្ហានេះគឺខ្ញុំមិនសូវដឹងបានច្បាស់ទេតែគ្រាន់តែខ្ញុំនៅធ្វើការកន្លែងនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចអ្នកអ្នកខំប្រឹងការងាររៀងខ្លួនខ្ញុំអាចទៅខុសមកមុខនឹងខ្លាចជាចាំតែប៉ុណ្ណឹង.
À votre connaissance, vous qui étiez au début du processus d'enregistrement des prisonniers, est-ce que les nouveaux arrivants bénéficiaient du droit de se défendre contre les accusations qui pesaient contre eux, bénéficiaient du droit de consulter leur dossier, d'avoir le service d'un avocat ou d'être jugé devant des juges? Est-ce que vous avez constaté cela ou pas? Lorsque vous aviez des contacts avec les prisonniers, notamment à leur entrée, est-ce que vous aviez reçu des instructions de Hor sur votre comportement par rapport à ces prisonniers? Et notamment, est-ce que vous aviez le droit d'éprouver des sentiments pour ces prisonniers ou d'avoir pitié d'eux? ចំពោះរឿងនេះការដែលយើងធ្វើគឺយើងចេះធ្វើទៅតាមការងារយើងអត់មានសិទ្ធិអីណាទៅគិតគូររឿងអនិច្ចអសូរអ្នកទោសអីថាមូលហេតុអីចាប់យើងអត់ហ៊ានយាយអត់ហ៊ានអីថានឹងអស់ការងារដែលថាអ្នកទោសមកយើងដឹងថាការងារខំប្រឹងធ្វើការគាត់ជួយឈ្មោះអ្នកទោសចូលឲ្យបានត្រឹមត្រូវតែប៉ុណ្ណឹង Dans toutes les tâches que vous deviez accomplir, est-ce que vous deviez être ferme, déterminé et agir de manière absolue? Je voudrais, avec l'autorisation du président et l'assistance des techniciens, faire projeter un extrait d'un film de Ritipan appelé The Khmer Rouge Killing Machine. C'est le numéro E3-2330R. J'avais prévenu la Chambre par email juste avant le 23 mai, donc l'audience précédente. Et le premier extrait se situe à 1h29 minutes 55 secondes jusqu'à 1h30 et 39 secondes. Est-ce que j'ai l'autorisation de projeter ce film? បាទអរគុណព្រះអនុញ្ញាតហើយប្រកបឲ្យផ្នែកខាង IV ចាក់ផ្សាយវីដេអូតាមសំណើសុំរបស់សាធារណរដ្ឋអន្តរជាតិលើអេក្រង់ទូរទស្សន៍ Nè, khi ông phương chi nè, tôi là châu máu nè.
ខាងអ្នកទូនឹងងាប់ហើយដូច្នេះការមិនបាននឹកគ្នាថាមនុស្សនឹងនៅរស់ទេដូច្នេះអារម្មណ៍ខ្ញុំមិនដឹងថាអ្នកទូនឹងវាងាប់បាត់ហើយដូច្នេះខ្ញុំមិនដែលបានសួរថាលោកអ៊ំលោកពូលោកបងមូលហេតុអីគេចាប់មានទូអីគឺអត់ដែលបានសួរគឺគិតធ្វើយ៉ាងណាគាត់បញ្ជីឈ្មោះអ្នកទូនឹងគាត់ប្រវត្តិរូបហើយយកមកចូលក្នុងបន្ទប់មកហើយនិយាយថាសុកចិត្តចាប់ច្រឡំធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យមានដូចខ្មាំងស៊ីរុំតែក្នុងតទ
Est-ce que vous avez jamais entendu sous le régime du Kampuchea démocratique une autre expression qui était il vaut mieux arrêter 10 personnes à tort que libérer une personne par erreur? នេះមកតាមការដឹងរបស់ខ្ញុំគឺការដែលគេនិយាយនេះមិនមែនខ្ញុំនិយាយតែឮសំឡេងផ្សេងប៉ុន្តែបើនេះគឺខ្ញុំមិនបានដឹងពិតប្រាកដដែរការនេះអានេះក្នុងគូលការគេនិយាយនេះគឺបែបក្នុងកងការកងសួរចម្លើយVous avez dit tout à l'heure donc, que les gens qui ont 13-21 étaient déjà morts. Est-ce que cela veut dire qu'à votre connaissance, il n'y a jamais eu aucune libération pure et simple de 13-21 ? អនុម័តដំទី26គឺត្រូវស្លាប់ទាំងអស់ Je vais revenir sur ces rares occasions. Est-ce que vous pouvez nous dire à quelle période certains, vous dites que certaines personnes auraient été libérées. À quelle période est-ce que cela a eu lieu? Est-ce que c'était lorsque vous étiez encore à la PJ ou bien lorsque vous étiez à Tulsleng? គឺកម្រគេដោះលែងខ្ញុំអត់បានទៅដឹងនឹងគេដោះលែងQuand vous dites que vous avez rarement entendu que des prisonniers avaient été libérés, est-ce qu'il y a eu, oui ou non, à votre connaissance, des libérations? C'est-à-dire des gens qu'on laissait sortir librement de 21 ans pour chez eux? ដែលបានដើរចេញពីខ្លងទ្វារសមពេញមួយទៅផ្ទះវិញVous aviez été assez clair lors de l'audience du 27 juillet 2009, 16 h 28 secondes. La question qui vous est posée est la suivante. Pour autant que vous vous en souveniez, y a-t-il eu des cas où des prisonniers ont été relâchés durant la période où vous avez travaillé à S21? Vous avez répondu. Pour autant que je m'en souvienne, les prisonniers détenus à S21, à Tulsleng, pendant la période où j'y ai travaillé, sont tous morts à S21. Personne n'a été libéré. C'est ce que j'ai pu constater. C'est ce que je crois savoir. Et un peu plus tard, à 16h14:42, à la prison de Tulsleng, pour ce qui est du traitement, de l'arrestation des membres du personnel de S21, une fois arrêtés, ces personnes étaient exécutées. Il n'y avait aucune remise en liberté. Ces personnes subissaient le même traitement que celui subi par les autres prisonniers ordinaires. Fin de citation.
Donc en 2009, vous disiez qu'il n'y avait jamais eu de libération de prisonniers. Quelle est la version que vous nous donnez aujourd'hui? Est-ce que vous confirmez cela? Bien, vous nous dites qu'il y avait eu des occasions où des gens ont été libérés. Lorsque vous étiez à Tulsleng, y a-t-il eu des prisonniers que vous avez enregistrés? Vous avez enregistré les noms vous-même, qui, à votre connaissance, auraient ensuite été transférés à S21D, c'est-à-dire à Présor. Concernant les gens qui n'étaient pas encore rentrés dans le périmètre de S21, qui n'avaient donc pas été enregistrés par vous, mais qui avaient été arrêtés, est-ce que vous avez connaissance du fait que certains d'entre eux ont été transférés directement à Présor sans passer par S21? Oui, j'ai une objection par rapport à la question qui vient d'être posée. Si je comprends bien la question du procureur, s'il demande aux témoins d'évoquer des gens qui ne seraient pas passés par son bureau, donc avant de pouvoir poser cette question, c'est de savoir d'abord si le témoin avait connaissance de ce qui se passait pour des gens qui ne passaient pas par son bureau, sinon ça devient de la spéculation. Justement, j'essaie de l'établir ou non s'il avait cette connaissance, sachant qu'il ne sortait pas de son bureau. Mais il a travaillé 3 ans au sein de S21, il a pu avoir des conversations, il a assisté à certaines réunions, il a pu apprendre certaines informations. Donc, ce que je demande, et je demande à la Chambre de m'autoriser à poser cette question, c'est de savoir si vous avez eu des informations concernant le fait que des personnes arrêtés n'entrait pas à S21 et était directement amené à Présor. Ce que vous pourriez savoir, c'est question de savoir si il y avait des transferts depuis Présor, S21D, vers S21. Est-ce qu'il y a eu des gens qui ont été transférés de S21D vers la prison de S21 pour y être incarcérés?
ខ្ញុំចង់ត្រឡប់ទេពីស21ខមកកាន់ស21ដើម្បីឃុំខ្លួនដែរទេ ជំពូនអ្នកទូនៅស21ខនោះបើគេបញ្ជូនមកគេចាប់ពីនោះមកហើយស្អីហើយគេបញ្ជូនមកនៅក្នុងគុកវិញ Et une fois qu'ils étaient amenés à la prison, est-ce que vous les enregistriez ? Est-ce que vous preniez également leur biographie ? Je voudrais à cet effet vous montrer deux documents et voir si c'est vous qui les avez établis. Le premier, c'est E3-22-77. Il s'agit d'une liste de prisonniers. Est-ce que j'ai l'occasion de lui présenter ce document, Monsieur le Président ? Alors, je vais me concentrer sur la page 1 et 2 en français, c'est-à-dire les numéros 1 et 10. En khmer, c'est également la page 1, ce sont les numéros 1 à 10, les personnes portant les numéros 1 à 10. Et en anglais, c'est pareil, c'est page 1 et 2. Alors, à cette première page en khmer, on trouve une liste de 10 anciens militaires venant de la division 703, provenant de S21D. Il est dit dans le titre, au total 7 personnes et 3 disparus. Donc on voit que à côté de la fonction, il est chaque fois indiqué que la personne venait de S21D. Il y a la date d'entrée et il y a la cellule également. Monsieur le témoin, est-ce que c'est vous qui avez établi cette liste de prisonniers entrant à S21? นี่สงสัยมีจีนี่ខ្ញុំបានដឹងពិតប្រកបទេខ្លាចចៃលោកគេបញ្ជូនពីកង 703 មកទៅស 26ខនេះឈ្មោះមកនៅកង 703ទៅមកស 26ខដាក់បញ្ជីមកស Monsieur le témoin, est-ce que vous pouvez regarder justement la dernière colonne qui indique le numéro de cellule ? Par exemple, à la première ligne, le dénommé Ouch Son de la division 703. Ancien chef adjoint de groupe, venu de S21D, date d'entrée 11 octobre 1977, cellule 11, et puis 2, et puis 9. Est-ce que ces numéros dans la colonne correspondant à la cellule correspondent
à ce que vous utilisiez AS21 pour identifier les cellules où se trouvaient les détenus. Mr. President, is automatically an S21 document. Les références qui figurent dans la colonne cellule correspondaient à ce que le témoin utilisait pour identifier les cellules AS21. Et cela permettra justement de savoir si effectivement c'est un document qui peut venir de AS21 ou pas. If it had just been that question, I might have not risen. But you are on record. Donc, monsieur le témoin, est-ce que vous pouvez nous dire si la mention sur la première ligne 11-2-9 correspondant à la cellule vous rappelle quelque chose? Est-ce que c'est comme cela ou non que l'on identifiait les cellules AS21? Est-ce que vous, à part cet élément-là, est-ce que vous pouvez nous dire en quoi cette liste que vous établissiez à l'entrée des locaux, je voudrais montrer un autre document à
Monsieur le témoin, c'est le document E3-3-1-8-7. En Khmer, c'est au référence 0-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 
Oui, c'est exact. C'est une très longue combinaison de listes. 3/8/7 à la page 0087-44-01. Ça commence en bas de jusque 0087-44-12. Voilà, donc il faut reprendre les numéros 1 à 69. Je vous avais dit, Je ne dis pas le contraire, c'est effectivement une liste compilée qui reprend les noms sur 15 jours Est-ce que vous-même, vous deviez établir des listes récapitulatives de toutes les personnes qui sortaient de S21 tous les 15 jours? Écoutez, moi je suis prêt à donner cette liste. Ce que je sais, c'est que sur cette liste, il y a souvent deux versions des mêmes listes de prisonniers qui parfois se suivent ou ne se suivent pas. Bon, monsieur le témoin, est-ce que vous étiez chargé d'établir des listes récapitulatives de tous les prisonniers qui sortaient de S21, notamment des personnes exécutées tous les 15 jours? J'ai un problème sur la formulation de la question, que l'on puisse demander au témoin est-ce qu'il devait établir une liste récapitulative de personnes sortantes. Je n'ai pas de souci, mais j'objecte à la mention de l'exécution, puisque le témoin a indiqué que lui-même n'a pas assisté à l'exécution, il ne savait pas où partaient les personnes qui étaient mentionnées sur la liste de sortie. Donc c'est la formulation de la question qui me pose un problème. Je ne sais pas si le témoin savait ou non. Je ne sais pas si le témoin savait ou non. Je ne sais pas si le témoin savait ou non. Je ne sais pas si le témoin savait ou non. Je ne sais pas si le témoin savait ou non. Je ne sais pas si le témoin savait ou non. Je ne sais pas si le témoin savait ou non. Je ne sais pas si le témoin savait ou non. Je ne sais pas si le témoin savait ou non. Je ne sais pas si le témoin savait ou non. Je ne sais pas si le témoin savait ou non. Je ne sais pas si le témoin savait ou non. Je ne sais pas si le témoin savait ou non. Je ne sais pas si le témoin savait ou non. Je ne sais pas si le témoin savait ou non. Je ne sais pas si le témoin savait ou non. Je ne sais pas si le témoin savait ou non. Je ne sais pas si le témoin savait ou non. Je ne sais pas si le témoin savait ou non. Je ne sais pas si le témoin savait ou non
Mr. President, I think, if I may, that was at least part of the confusion. Prosecution is correct, and these were Praisar prisoners being executed. Obviously, the witness would not have been able to say something about this because it doesn't say that these prisoners were sent from Praisar to Tulslang premises. And in addition to this, if this is indeed a Praisar list, the questions, as you have ruled earlier, right after the lunch break, fall outside the scope Monsieur le Président, il va falloir que vous demandiez peut-être du temps supplémentaire. D'abord, j'ai bien dit qu'il y avait 92 mots sur ces listes, et que je m'intéressais qu'aux 69 premiers. Dans les autres mots, il y a des gens qui ne viennent pas des 21 des personnes qui se retrouvent pas sur ces listes, et qui se retrouvent pas sur ces listes. Il faut faut dire qu'il y a ទីមួយដែលទីដល់5វិជ្ជាណៃឆ្នាំ1961ជាជាងខ្ញុំគិតថាការដែលនិយាយថាដែលបញ្ជីនេះជាបញ្ជីរបស់មន្ត្រីសម្ភ័យមួយខនោះមានមូលដ្ឋានទៅងំទេយើងដឹងថាមានអ្នកដែលមកពីមន្ត្រីសម្ភ័យមួយខនោះបានចូលទៅចូលថ្ងៃណាជាក់លាក់ហើយសម្លាប់នៅថ្ងៃណាជាក់លាក់ដែរ ខ្ញុំសូមឲ្យសាកសួរឆ្លើយនឹងខ្ញុំដល់ថាគាត់តល់នេះឬក៏អ្នកផ្សេងទៀតនោះទទួលបន្ទុកក្នុងការធ្វើបញ្ជីរៀងរាល់15ថ្ងៃនេះនៅមន្ទីរស-21បញ្ជីទោសដែលគេយកចាញ់ពីមន្ទីរស-21ដែរឬទេជាពិសេសទៅទៀតនោះគឺអ្នកដែលគេយកទៅសម្លាប់តែម្ដង បាទអង្គជំរះបដិសេធនឹងដែលខ្ញុំតោះរបស់មេធាវីកាលពីក្រោយចំពោះការតាំងសំណួរនេះរបស់សហប្រជាជាតិគឺសំណួរនេះអាចសួរបានអង្គជំរះក៏ត្រូវការស្ដាប់នៅចម្លើយតបរបស់សហសេជំពោះសំណួរនេះដែរសហសេឆ្លើយតបនឹងសំណួរដែលសួរឡើងចុងក្រោយដោយសហប្រជារងអន្តរជាតិអមមិញនេះចំពោះបញ្ជីនេះគឺខ្ញុំកន្លងធ្វើមកគឺអត់ស្អីដែរជួបប្រទេស Maintenant, quittons cette liste. Est-ce que vous êtes arrivé de constater que les gens provenant de Praisar et entrant à AS-21 entraient un jour et étaient exécutés le lendemain ou dans les jours qui suivaient? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez constaté ou non? Est-ce que vous avez constaté ou non? ចូលថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃបន្ទាប់យកទៅសម្លាប់ឬក៏ប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយមកយកទៅសម្លាប់ចំពោះបញ្ហាបញ្ជីដែលមកពីស-21ខនឹងការចូលមកនិងការយកចេញទៅវិញគឺខ្ញុំមិនចាប់អារម្មណ៍ថាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ានេះគឺថាដល់ពេលដែលគេឲ្យធ្វើបញ្ជីសម្លាប់ធ្វើបញ្ជីដកនឹងគឺដកទៅបញ្ជីចូលគឺចូលទៅ តែការចាប់អារម្មណ៍ថាប្រហែលថ្ងៃប្រហែលថ្ងៃអីគេយកទៅខ្ញុំអត់ចាប់អារម្មណ៍ធ្វើពីព្រោះអ្នកទូទៅចូលរាល់ថ្ងៃដកចេញរាល់ថ្ងៃដូច្នេះការធ្វើខ្ញុំយ៉ាងម៉េចឲ្យវាទាន់ស្វីបការដែលគេឲ្យខ្ញុំធ្វើនឹងការចាប់អារម្មណ៍ផ្សេងពីនឹងគឺអត់ស្រឹងមានការចាប់អារម្មណ៍
Vous dites que des prisonniers arrivaient, partaient presque chaque jour à S21. Est-ce que le nombre de prisonniers entrant à S21 a augmenté au fil du temps, entre le moment où vous êtes arrivé à S21 et puis les années 77-78? Est-ce que ce nombre a augmenté ou au contraire a diminué? จํานวนแนวตู้นั้นจ๊อกទៅវិញទេจํานวนแนวตู้ដែលខ្ញុំដឹងគឺចូលក៏ចូលដកក៏ដកដូចនេះការកើនចុះកើនឡើងគឺវាទៅតាមអ្នកទូរិមោច្រើនមកតិចទេអត់ទៀងទេបើកើនច្រើននោះគឺគឺក៏ដកច្រើននោះមកតិចគឺប៉ាដករឿងហ្នឹងខ្ញុំមិនបានដឹងច្បាស់រឿងហ្នឹង Est-ce qu'il y a eu des périodes où le nombre de prisonniers entrant était plus important que d'autres? Est-ce que vous vous souvenez de périodes précises? Et éventuellement des raisons? Est-ce qu'il y a eu des périodes où le nombre de prisonniers entrant était plus important que d'autres? Est-ce qu'il y a eu des périodes précises? Et éventuellement des raisons? Est-ce qu'il y a eu des périodes nẹt tôi đã chôn chán thì mình tiếng này chôn nam mau chán cả mau tới chôn nam mất tích cả mau tới trời hay chôn mình tiếng thả mau tạm na tạm nơi ấy chứ vì phù vì tôi tạm phùng phía và phùng phía kịp chôn mau chán nó ngày nắng chán nó bỏ ngày nào bốc như chán cả mau chán nó đang bị mình tiếng bàn Est-ce que vous avez reçu de nombreux prisonniers provenant des zones nord, anciennes zones centrales? ภูมิภาคอดอได้จะไต่ตามภูมิภาคกันดาลให้นําภูมิภาคเปียยอบให้ภูมิภาคบ่เปียได้หรือเด้จําพูดมาตามภูมิภาคថ្ងៃหน้าได้มาจรานคือจรานภูมิภาคเปียยอบอันจังดอกันจังบ่เปียกันจังบ่ทางไหนน่ะได้วีอันนี้ซีซองคือเลยที่มีจูนมามีมันเตียง Je voudrais montrer aux témoins le document E3/2/1-4, c'est un tableau statistique du prisonnier établi le 25 octobre 1977 à S21. Alors en Khmer, c'est la page 0076 jusqu'à 0 7 6 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 jusqu
C'est un document qui a été signé par Monsieur le Président, Est-ce que c'est vous qui l'avez établi? Avez-vous une idée de qui pouvait être responsable d'établir ce Justement, à propos de ce nombre total, il est mentionné 980 personnes. Est-ce que c'est un chiffre de prisonniers qui, peut-être le savez-vous, était normal à l'époque? Est-ce habituel d'avoir un chiffre de prisonniers qui tournait autour de 1000 personnes ou un peu moins? មន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការរំលោភប្រកលែងសម្រាប់នៅផ្ទះរងចាំនៅមេផ្សាក់ស្័យដល់សាក់សិរុនេះនៅក្នុងឡុងពេលជុំសម្រាប់នឹងឲ្យជើងគាត់រួមទាំងមេធាវីប្រឹក្សាសាក់ស្័យមកកាន់កាល័យផ្ដោតសាក់ស្័យកម្មក្នុងបន្ទប់សំណាកានេះវិញនៅវេលាម៉ោង 3 សម្រាប់ចុះ